Un jour, un saint. Bienvenue sur la chaîne qui commémore ces hommes et ces femmes qui ont marqué l'histoire de l'Église à travers les âges. Aujourd'hui, le 29 avril, nous commémorons Sainte Catherine de Sienne. Bonjour. Sainte Catherine de Sienne, née en 1347 à Sienne, en Italie, est l'une des saintes les plus célèbres de l'histoire de l'Église catholique. Elle est surtout connue pour son intense vie de prière, son engagement envers les pauvres et les malades, ainsi que pour son rôle dans la politique de l'Église de son époque. Catherine était la 23e enfant d'une famille nombreuse. Dès son plus jeune âge, elle montra un grand amour pour Dieu et une profonde spiritualité. À l'âge de 16 ans, après une vision mystique, elle décida de consacrer sa vie à Dieu et devint tertiaire dominicaine, vivant dans le monde mais suivant les règles de l'ordre dominicain. Elle était une conseillère spirituelle recherchée, écrivant de nombreuses lettres à des personnalités politiques et religieuses de son temps, y compris au pape, exhortant à la réforme de l'Église et à la paix en Italie. Sa sagesse et son influence spirituelle étaient si grandes qu'elle était souvent appelée à intervenir dans les affaires de l'Église et de l'État. Sainte Catherine est également célèbre pour avoir vécu une union mystique intense avec Dieu. Elle a vécu des expériences mystiques profondes, notamment des visions de Jésus, des conversations avec des saints et des expériences de souffrance stigmatisées. Voici une prière adressée à Sainte Catherine de Sienne. Ô Dieu, notre Père Céleste, qui avait béni Sainte Catherine de Sienne avec une foi ardente, une charité inépuisable et un dévouement sans borne envers votre Église. Accordez-nous, à travers son intercession, la grâce de vivre avec la même intensité de foi et de charité. Aidez-nous à suivre son exemple de service désintéressé envers les autres et à être des témoins de votre amour et de votre vérité dans le monde d'aujourd'hui. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. D'autres saints sont aussi commémorés ce jour. Sainte Ava. Nous vous les présenterons dans nos prochaines vidéos. Bonne fête à tous les natifs de ce jour. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un nouveau saint.